I'm not asking you what you do for a living. I'm saying who. Alors bonjour, on va commencer l'émission de Christian Prince. That's false. En français. I am an Arab, and we don't know. Bonjour. Hello. Bonjour. Yes. And how are you? Comment tu vas? What's up, man? You are a Muslim? Tu es musulman? Yes, I'm Muslim. Oui, je suis musulman. Our topic today is who is Allah. Do you know? On demande qui est Allah. C'est ça le sujet. Allah veut dire Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? I'm not asking you what you do for a living. I'm saying who is he? Je ne te demande pas ce qu'il fait. Je te demande qui est Allah. Your God, Allah, who is he? Ton Dieu Allah, c'est qui? Allah is just the Arabic word for God. Allah, c'est juste le mot arabe qui veut dire Dieu. That's false. C'est pas vrai, c'est faux. I am an Arab and we don't use Allah as a word for God. We have. Je suis arabe. Nous n'utilisons pas le nom de Allah pour Dieu. The word God, Rab. Nous utilisons le mot Rab. Rab. Rab means Lord. Rab veut dire Seigneur. No, Rab means. You want to show you from the Quran? Non, non. Rab veut dire Dieu. Je peux même te montrer ça à partir du Coran. Tu sais ça? Your God, Allah Himself, using the word Rab as God. C'est Allah lui-même qui utilise le mot Rab pour dire Dieu. Tu veux que je puisse te montrer ça? Thank you very much. Rabil Alamin veut dire le Seigneur du monde. Merci beaucoup pour m'avoir donné ça. You just chose for me, Rabbul Alamin, the God of the world. Tu viens de choisir pour moi, Rabil Alamin, le Seigneur des mondes, de l'univers ou quoi, des mondes. Lord of the world. Yeah, but also... Seigneur des mondes. Okay, what the word Allah mean? Mais que veut dire le mot Allah? Allah veut dire Al-Ilah. Qui t'a dit ça? Al-Ilah, that means he is unknown God. Si tu dis Al-Ilah, c'est que c'est un Dieu qui n'est pas connu. That means he is, you know, a God. Si tu dis Al-Ilah, ça veut dire juste un Dieu. Many gods. How many gods you have? C'est un Dieu inconnu. Combien de dieux avez-vous? It means he is the God. Okay, well, hold on, my friend. When you say shahada, don't you say there is no la ilaha illa Allah? Mais combien de seigneurs avez-vous su qu'il y a un seul Dieu? Mais pourquoi est-ce que lorsque vous faites le shahada, vous dites la ilaha illa, il n'y a de Dieu, que Allah? Pourquoi est-ce que vous dites ça? Oh. Yeah. Okay, so then why you don't say la ilaha illa ilaha? Mais you say la ilaha illa Allah. So ilaha is a different word from... Mais pourquoi est-ce que vous dites la ilaha illa Allah? Donc ilaha, c'est un mot différent de Allah. The word Allah. It's not the same word. C'est pas le même mot. Ilaha et Allah, c'est différent. Same word. It's not. C'est le même mot. Allah et ilaha, c'est le même mot. Not. Who told you that? Okay, show me the reference. Where you get... Non, c'est pas le même mot. Donne-moi la référence. Qui t'a donné ça? Qui t'a dit ça? This one. You see, I spoke just a few weeks ago to a doctor from Al-Azhar University. J'ai parlé il y a pas de très longtemps avec un docteur de l'université de Al-Azhar en Égypte. He said Allah, the first one who said that is an Arab guy, and we do not know what that does mean. Il a dit que la première personne à avoir prononcé le mot Allah, c'était un arabe, et nous ne connaissons pas ce que ça veut dire. So it looks like you know better. Peut-être toi tu connais mieux que ce docteur là. Isn't it the Arab before Muhammad they worship a god, his name is Allah? N'est-ce pas que les Arabes avant Muhammad adoraient un dieu qu'ils appelaient Allah? No, the Arabs before Muhammad they worship idols. Non, les Arabes avant Muhammad ils adoraient les idoles. Thank you very much, and that is one of them, Allah. Merci beaucoup. Parmi ces idoles, il y avait un qu'on appelait Allah. Isn't it the father of Muhammad, his name is Abdullah? N'est-ce pas que le père de Muhammad, son nom c'est Abdullah? How his name is Abdullah, but he's not a Muslim. Mais comment est-ce que son nom c'est Abdullah, mais il n'était pas musulman? You just said to me that the Arab before Muhammad they worship idols. Okay. Tu viens de dire que les Arabes avant Muhammad ils adoraient les idoles, n'est-ce pas? Okay. Your prophet name, your prophet father name is Abdullah. Mais votre prophète, son père, son nom c'est Abdullah. How he became Abdullah unless Abdullah
mean a slave of an idol. His name is Allah. Comment est-ce qu'on l'appelait Abdullah, à moins que son nom ça veut dire l'idole, le serviteur de l'idole qu'on appelait Allah? You're the one who told me, remember, that before Muhammad, Arabs worship idols. C'est toi qui viens de me dire, souviens-toi que avant Muhammad, les Arabes adoraient les idoles qu'on appelait, une idole qu'on appelait Allah. Ils adoraient les idoles. After Muhammad, Arabs don't worship idols. Après Muhammad, les Arabes n'adorent plus les idoles. C'est toi qui as dit ça. So whoever before Muhammad, he worshipped idols. Muhammad, he never saw his father, he never met him. Mais avant Muhammad, ils adoraient les idoles. Or, Muhammad n'a pas vu son père. Il ne l'a jamais rencontré. Actually, according to Islamic books, Muhammad was born 4 years after his father. Même après, d'après les livres islamiques, Muhammad était né 4 ans avant, après son père, après la mort de son père, 4 ans. Which is very normal in the Middle East. Et ça, c'est normal, donc ironiquement, dans le Moyen-Orient. You know, look like it's very normal. C'est normal, ça. So what do you think? Que dis-tu? Before Muhammad was 43 years old and he got the first ayat of the Quran. I don't know what this... Avant que Muhammad ne puisse atteindre 43 ans, il avait eu le premier verset du Coran. Have to do my topic, my friend. So, mais je ne sais pas pourquoi si tu dis ça, ça ne cadre pas avec le sujet, le thème. So like you just jump all over what we said. Tu veux changer de thème ou quoi? About Muhammad, his father is Abdullah, but yet he don't believe in the God of Muhammad. On parlait de le père de Muhammad, que de nom c'est Abdullah, mais lui-même ne croyait pas dans Allah. And he is not a Muslim. Et il n'est pas musulman. And obviously, the Arabs before Muhammad, they believe in Allah. Et avant, Muhammad, les Arabes adoraient Allah. God, and you are the one who said to me, Arab before Muhammad are pagan. C'est toi qui m'as dit qu'avant Muhammad, les Arabes étaient des païens. They were still Muslims and no hadith. Thank you, no. Monique. Thank you. So how there is no Muslim, but yet Muhammad's father, his name is a slave of Allah. Il n'y avait pas de musulmans. Mais tu dis, bah, il y avait des musulmans, mais comment est-ce que son nom, on l'appelait Abdullah? What's the problem with that? Où est le problème avec ça? Well, because that means he's worshiping Allah. Mais ça veut dire qu'il adorait Allah. So you are the one who said there is no Muslims before Muhammad. Et c'est toi qui dis qu'il n'y avait pas de musulmans avant Muhammad dans son pays en Arabie Saoudite. All of them they are idol worshippers, including the uncle of Muhammad, the father of Muhammad. Donc tous adoraient des idoles, inclus le père de Muhammad, les oncles. The grandfather of Muhammad, all of them. Le grand-père, tout le monde. And the proof, even the names of the uncles of Muhammad, all of them, they are Abdul Uzza, Abdullah. Et même dans les preuves, ses oncles, ils sont toujours les Abdullah, Abdul Uzza, et d'autres Abdou. Etc. So their names are the, you know, the slaves of the daughter of Allah. The slave. Donc, ça veut dire Abdul Uzza, donc ce sont les... Ça veut dire esclave des filles, les filles de Allah. Slaves of Allah, you know. Les esclaves de ceci, de cela. My friend, all of them, you are the one who said that to me. Mon frère, mais c'est toi qui as dit qu'ils étaient des païens. You said to me, you are the one. A second ago, you said to me, all the Arabs before Muhammad, they are idol worshippers. Il n'y a pas une seconde, c'est toi qui disais que toi, avant Muhammad, tout le monde, tous les Arabes étaient des idolâtres. I didn't say all. Okay, prove to me. Je n'ai pas dit tous. Maintenant, prouve-moi que ce n'était pas tous. I'm wrong. Who is the one who is not our idol worshipper before Muhammad? Dis-moi un seul arabe qui n'adorait pas les idoles avant Muhammad. From his family. From his family. Dans sa famille. Huh? Who? Qui? Not all of them were inclined to idol worship, you understand? Tous faisaient les cultes des idoles. But then they worship idols. Tous adoraient les idoles. No, so why Muhammad's father will go to hell then? Mais pourquoi est-ce que Muhammad dit que son père va aller en enfer? How will he go to hell? You said that. Your prophet, qui a dit that. Ça? Mais c'est votre prophète qui a dit ça. When did he say that? Can I call a friend? Ou quand est-ce qu'il a dit ça? Tu veux que je puisse appeler un ami? Okay, let me call a friend. Hold on. Et attends que je puisse appeler un ami pour m'aider à te donner cet indice-là. The problem is Muslims, you know, they got me busted and they ask me questions I can't answer.
Et le problème est que le musulman, des fois, il m'attrape et je dis des choses, mais je ne peux pas prouver ça. Hein? Ironiquement, quoi. C'est comme si je n'ai pas de preuves. Okay. Let me call a friend. Attends, j'appelle Is un it ami. okay if I give you if you give me like a month? Est-ce que tu peux me donner un mois pour chercher cet indice-là? Find it? Pour trouver Okay, ça? it's in your time, seriously. Prends ton temps. What do you mean? Well, it's in your time trying to put out the light of Allah. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps puisque tu veux atteindre la lumière de Allah avec ta bouche. Find this now. Ah, the light of Allah. Here we go. Your prophet, he said, my father. Hein? La lumière de Allah. Voici l'hadith. Elle a dit que l'hadith est là qu'il a dit que son père ira en enfer. L'hadith est là. And your father are in hell. Il a What do you dit say? ton père et mon père sont en enfer. Que dis-tu? Yeah, there's a lot of fabricated hadith. Ah, c'est un Ah, hadith. fabricated. Okay. How you know it's fabricated? Ah, c'est un hadith fabriqué. Maintenant, comment est-ce que tu sais que c'est fabriqué? Comment est-ce que tu sais? Comment est-ce que tu relis cet hadith? Attends, je vais vous montrer ça en français. Je vous montre ça en français. Could be. It's It most could likely be, I is. know. Actually, obviously, Islam is a Bon, c'est possible que ce soit un hadith fabriqué. chain of fabrication. Anything Muhammad he says, the Muslims look like you're Muslims. You have nothing to do except fabricating stories about your prophet. Dans vous, les Because the musulmans, majority of Muslims, they know Abdullah was a good man. vous fabriquez les hadiths, n'est-ce pas? La majorité des musulmans savaient que Abdallah c'était un homme bon. Il ne pouvait pas partir en enfer. Attendez, je vous montre cet hadith. Ça, c'est Christian Prince, Christian Prince. Un homme très bon là, que nous suivons, et il nous apprend, il nous fait des révélations terribles sur l'islam. On va voir cet hadith, l'hadith dont il était en train de parler. Ça, c'est Sunan Abi Daoud. Anas a dit, un homme demanda, où est mon père? Le messager d'Allah. Le messager d'Allah a répondu, votre père est en enfer. Lorsqu'il tourna le dos, il dit, mon père et ton père sont en enfer. Sunan Abi Daoud, numéro 47-18. Il dit que mon père et ton père sont en enfer. Alors, on continue avec Christian Prince. But your prophet, he said he will go to hell. Mais votre prophète a dit que son père ira en enfer. Now that must be a fabricated hadith. But it says in front of me, it says sahih. Mais ça, c'est un hadith fabriqué. Mais c'est écrit là, sahih. Le hadith est sahih. Sahih, it doesn't mean all correct. All of us. Sahih, okay. Ah, cela ne veut pas dire correct. Sahih, it does not mean correct. Okay. Donc, tu veux dire que sahih ne veut pas dire correct? Guys, sahih does not mean correct. Écoutez, les gars, ce monsieur dit que sahih ne veut pas dire correct. Okay. So, can you give me a reference where it says that father of Muhammad was a good man? Peux-tu me donner un hadith ou bien une référence? Là, on dit que le papa de Muhammad, c'était un homme bon. As long as this one is fabricated. Forget Comme toi, tu dis que ces hadiths sont fabriqués. about this one. We will dump it. Oublie ça, on va Forget the jeter ça. idea. Islam, all of it is full of garbage. Donc, dans toute l'islam, il n'y a que des choses fabriquées. How is that relevant to anything? Mais cela, ça sert à quoi? Well, we are talking about Allah, you know. So you are the one who said to me that Allah. Mais nous sommes en train de parler de Allah. C'est toi qui m'as dit que. Muhammad's father was a believer, but Muhammad said his father will go to hell. Mais tu as dit Not only a que believer, he will, not only his father, but Muhammad, his father son is mad. père. Mais Muhammad a dit son père ira en enfer. Non seulement son père, mais son père et sa mère. Like I said, how is this Okay, relevant let's to go you? back to zero. Who Comme is je Allah? disais, bon, on rentre à zéro. Qui est Allah? You say to me, he's God. Tu as dit que Allah est Dieu. Who is Allah? Qui est Allah? What is that that God is? You know, Qu'est-ce que ça veut what dire? do you know about him? Qu'est-ce que tu connais de Allah? We only know some things. We can't comprehend Like what? his. Nous ne connaissons qu'une partie, on ne peut pas tout comprendre. Comme quoi, qu'est-ce que tu connais? What do you know about him? Qu'est-ce que What tu do you know connais? about him? Qu'est-ce que tu connais de We Allah? know that he's one. He's one. Nous connaissons qu'il est un.
One what? Il est un quoi? One what? Un quoi? Allah est un. Un quoi? Il est, what? Il est le premier. Le premier de quoi? The first exist. Le premier a existé. The first exist, that means he is exist in certain point. Donc, ça veut dire qu'il existe, il a commencé à exister quelque part. Il est le premier, ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin ou quoi? Before him there is nobody. Ou bien le premier avant lui il n'y a personne. He's the creator of all existence. But the Quran, il est le créateur de toute l'existence. The Quran says there's many creators. Mais le Coran dit qu'il y a beaucoup de créateurs. Isn't the Quran says that Allah is the best of the creators? N'est-ce pas que le Coran dit que Allah est le meilleur des créateurs? That doesn't matter. What do you mean? If I say I am the best of the creators, that means there's many creators. Hein? Ça veut dire. Si je dis que je suis le meilleur des créateurs, ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs. I am the best of the students, but there's no other students. Et imagine-toi, je dis que je suis le meilleur des étudiants et qu'il n'y a pas d'autres étudiants. That would be silly and stupid and a lie. Ça serait un mensonge et stupide. Are you accusing your God to be a liar? Es-tu en train d'accuser ton Dieu d'être un menteur? One thing is for sure that Allah and Islam is a guarantee. Une chose dans l'islam, Allah c'est une garantie. Guarantee of what? La garantie de quoi? The best of the creators, right? Il est le meilleur des créateurs. So how he can be God but yet he is the best of the creators? That means you Muslims don't believe in one God. Comment est-ce qu'il peut être le meilleur des créateurs? Mais c'est vrai que vous, les musulmans, vous croyez dans plusieurs dieux? If God is the creator and the Quran confirms that Allah is the best of the creators, that means Quran confirms. Et le Coran confirme que Allah est le meilleur des créateurs. And that there's many creators. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de créateurs. How he can be the best of the creators if there's no other creator? Comment il peut être le meilleur des créateurs s'il n'y a pas d'autres créateurs? This et comment m'expliquer cette folie? I am the best je suis le meilleur de mon peuple. C'est vrai que nous sommes nombreux. I cannot say I am the best of, you know, and best of what? Of si, the creator. Si je suis le seul, je ne peux pas so dire que je suis le meilleur. Is, you know, making up best. And that will make him a liar because you cannot say I'm the best of. Ou bien Allah est en train de fabriquer des mots. S'il le fait un menteur, puisqu'il ne peut pas dire que je suis meilleur, tout ça. S'il n'y a pas d'autre, ou bien il est menteur. And there's nobody else. S'il n'y a pas d'autres personnes, that will make you a liar. Ça va faire de lui un menteur. Jesus, the ability to create. Okay. C'est comme lorsqu'il a donné. L'habilité à Jésus de créer. Donc, tu veux dire que Allah est en train de se créer, comparé à Jésus. Himself to Jesus, saying that he is a creator and Jesus is a creator, and now we have two creators. Donc, Allah est créateur et Jésus est créateur, donc nous avons deux créateurs maintenant. There is no creator except by his permission. Il n'y a pas de créateur sauf avec sa permission. What permission? Quelle permission? And I can claim that I gave Jesus the permission. What does that mean? Moi aussi, je peux dire que c'est moi qui ai donné la permission à Jésus. Qu'est-ce que tu vas dire? This is a claim mentioned in the Quran, but c'est juste une déclaration, un slogan. To make any difference. Mais ça ne change rien. Jesus, by, when Allah he says I am the best of the creator, and you. Mais tu viens de dire Jésus, mais Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs. You are the one who chose for me the example of Jesus. C'est toi qui as même choisi l'exemple de Jésus. That means Allah he accepts and he and you accept that Jesus is a creator, correct? C'est là où que tu acceptes que Jésus est créateur. Yeah, Allah says okay. Be it. No problem, but he is a creator. Donc Jésus est un créateur. No problem. Pas de problème. He is the best of the creators. Et Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs. God is a creator, that means Jesus is a creator. Donc si Dieu est créateur, donc Jésus est aussi créateur. And he's God. Et il est Dieu. C'est toi qui m'as dit que je t'ai posé la question, qu'est-ce qui fait que de Dieu? Qu'est-ce qui fait de Dieu être Dieu? Tu as dit qu'il est le créateur. Et tu viens de me dire par ton choix que Jésus est créateur. Donc Jésus est Dieu. Attends, je te pose la question. Donne-moi une chose. Cite-moi une chose que Jésus peut faire et que ton Dieu peut aussi faire. Par exemple, Jésus peut créer. Quelle est la preuve que ton Dieu peut aussi créer? Before Jesus, Abraham was given the ability.
Non, that's not true. Avant Jésus, il y a aussi Abraham qui avait aussi la capacité. Non, c'est pas vrai ça. It's not true. He asked them to cut four chickens and put them in four hills, and then Allah he ordered them to come, but it's not. Non, c'est pas vrai. Mais à Abraham, on a dit de tuer les oiseaux, les couper en morceaux, et Allah a permis que ça puisse se rassembler. Selon ce qu'on dit. That's not Abraham is the one who made them. Read the story. Ce n'est pas Abraham qui a fait ça. Il faut lire l'histoire. The story in the Quran about Abraham is about Allah. Dans l'histoire d'Abraham dans le Coran, c'est à propos de Allah. He, Abraham, he said to Allah, how you bring them back to life? Et Allah, et moi, Abraham a posé la question à Allah, comment est-ce que tu les ramènes à la vie? He said to him, put four chickens, you know, get the chicken, cut it off. Put it in four hills. Et Allah lui a dit, prends des oiseaux, les poules, et tu puisses les couper et puis les mettre en morceaux. And order, you know, like I will order it and they'll come to you. Et je vais ordonner à ceux qui puissent revenir à la vie. This is not Abraham. Ça, c'est pas Abraham. It's Allah. C'est Allah. In the story of Jesus, mais dans l'histoire de Jésus, the same as the story of Moses, the cow chapter, why is called the chapter? Ah, c'est comme tu parles de l'exemple de la vache, Al-Baqarah, le chapitre de la vache. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la vache? Because simply, a guy, he got killed. Puisqu'il y avait quelqu'un qui était tué. And Moses, he said to Allah, et Moïse a dit à Allah, comment est-ce que nous allons trouver this here, who killed this guy? Celui qui a tué ce monsieur. So Allah, he told him to beat the guy with the cow beef. Et Allah a donné à Moïse de battre ce monsieur avec la viande de la vache. And then the cow, you know, the guy after they beat him with the cow, which is a true story. Après et après avoir frappé ce monsieur avec la viande de la vache, qui est une histoire vraie, ironiquement. You know, in the Middle East, always we beat people with cow. Et dans le Moyen-Orient, nous battons toujours les gens avec la viande de la vache. To make them alive again. Pour les ramener à la vie. And he came back to life. He woke up for 5 feet. He said, "The guy who killed me, his name is a Christian prince," and he died. Et cet homme-là, il s'est réveillé de la mort dans 5 minutes. Il a fait 5 minutes et puis il a dit, le monsieur qui m'a tué, c'est Christian Prince. Et puis, il est mort. Okay. But this was Allah, supposedly, not Moses. Mais ça, c'était supposément Allah, ce n'était pas Moïse. But Jesus, in the verse in the Quran, says, I. Mais Jésus, dans le verset du Coran, il dit, je, c'est moi qui fais ça. I. Moi. For you. Moi, je ressuscite pour vous. From the death of man. De la mort. Un homme qui est mort. I, moi, for you from the mother bird. Moi, je crie et je crée l'oiseau à partir de l'argile. I, moi, to him. Correct? Moi, je souffle en lui. Il parle au premier, à la première personne du singulier. I. Moi. Neither Abraham, neither Moses. Ni Abraham, ni Moïse. Did that. So, non, fais ça. What we will do now. Qu'est-ce qu'on va faire? God, Allah cannot be a creator. Dans votre Dieu, Allah ne peut pas être créateur. Because Muhammad, you know, why Muhammad never have a miracle of his God, the creator? Mais pourquoi est-ce que Muhammad lui n'a jamais eu le miracle de son créateur, de son Dieu? As long as Allah, you Muslims claim that the... Aussi longtemps que vous dites que, comme vous dites vous les musulmans, que Allah. The miracle of Jesus is a permission from Allah. Why? Comme vous dites que Jésus avait fait tous ces miracles par la permission de Allah. Mais comment se fait-il? Allah did not give a permission to Muhammad. Comment se fait-il que Allah n'a pas donné cette autorisation à Muhammad? The Christians deny that all the prophets and messengers taught monotheism and worshiping God. Mais les chrétiens avaient régné tous les prophètes qui ont enseigné le monothéisme, n'est-ce pas? Why you are changing topic first? Pourquoi est-ce que tu changes de thème? You don't believe in monotheism. Here we go. D'abord, vous les musulmans, vous ne croyez pas dans le monothéisme. Voici la preuve. So, Allah is the best of the creators. La preuve est là, vous dites que Allah est le meilleur des créateurs. Et c'est toi qui as dit que Allah est le meilleur des créateurs. Et le Coran dit que Kul. Who Allah Ahad. Ahad mean one of, not one. Kul. Il dit que Ahad. Wahad. Ahad ne veut pas dire un, mais ça veut dire l'un d'eux. L'un d'entre. Ça ne veut pas dire un. Surat 112, au verset 1. Là, on dit que Allah est un. Ahad in Arabic does not mean. Ahad is coming from the Echad.
Ahad ne veut pas dire un. La sourate 112, verset 1, là où on dit cool, Ahad ne veut pas dire un. In Hebrew, an Ahad does not mean one. Ça vient du mot arabe qu'on appelle Ehad. Ehad ne veut pas dire un, ça veut dire l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. As person, it's one as unity. C'est un comme unité. Unité. Lorsqu'on parle de Ahad, on parle de l'unité. Pas de un seul, mais un d'entre eux. As an example, the Bible says, comme the man, he leave his family and he will be one with his wife. Comme l'exemple de la Bible, là, on dit que l'homme s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Ahad. Ehad. Ehad. So there are two people, they will become Ehad. Donc, c'est deux personnes, mais qui seront rassemblées. Ils seront Ahad. Ehad. En hébreu. So, one is unity, not one person. Donc, Ahad veut dire unité, pas une personne. Same as when you say Muslim, you say to me tawhid. C'est comme vous les musulmans, vous dites tawhid, tawhid. You speak Arabic, right? Toi, tu es arabe, tu parles arabe, n'est-ce pas? Yes. Okay. Oui. Don't we say in Arabic tawhid al-duwal arabiya? Comment est-ce qu'on dit dans le tawhid de la nation arabe? Comment est-ce qu'on dit ça? On prononce ça, n'est-ce pas? Attends, je vais répéter ça. C'est très nécessaire. Que les gens puissent suivre ça. You speak Arabic, right? Yes. Okay. Don't we say in Arabic Tawhid al-Duwal al-Arabiya? Oui. Yeah. Okay, what does that mean? Que ça veut dire? Tawhid al-Duwal al-Arabiya. Means unifying the Arabic countries. Thank you very much. So, donc cela veut dire l'unification des pays arabes. Merci beaucoup. Tawhid means unifying, guys. Did you hear it? Donc, Tawhid veut dire l'unification. Ça ne veut pas dire un. Ça veut dire l'unification. Des choses qui sont différentes, on les unifie. Avez-vous écouté le mot, la suggestion du mot Tawhid? Ça, c'est un arabe qui a donné. Tawhid means unifying. So you... Donc, Tawhid veut dire unifier, l'unification. Mais comment est-ce que vous, le musulman, vous dites que vous croyez dans le Tawhid? De vous croyez dans un. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Mais ce mot veut dire unification. Si Allah est un, est-ce que vous voulez unifier Allah? Mais si Allah est un, pourquoi utiliser le mot tawhid? Mais comment est-ce que tu utilises ce mot? Tu viens juste de donner la signification de ce nom, de ce nom-là. Tu as interprété ça. Unifying. Tu as dit unifier. How he is one, but you want to unify the one. Mais comment est-ce qu'il est un, mais vous voulez unifier celui qui est un? It's like sabbahu meaning, you know, subhanallah meaning he is. My friend, I'm talking about unifying now. Mon frère, tu as changé de terme. Nous parlons de l'unifier, unification. Tu ne parles pas de subhanallah. How Allah is one, but you want to unify Allah. Si Allah est un, comment est-ce que vous voulez l'unifier, faire le tawhid, qui est unification? How unifying is the tawhid? Comment unifier devient tawhid? Just give me the definition. C'est toi qui viens de définir ça. Very important. C'est important. Tawhid means unifying. Tu as dit que tawhid veut dire unifier. Okay, if Allah is one, you want to unify what? Si Allah est un, vous voulez unifier quoi? Unify him because some people they divide him. Ah, on veut unifier Allah puisqu'il y a des gens qui le divisent. Oh, some people they divide him, so you. Ah, donc tu veux dire qu'il y a des gens qui divisent Allah? Want to put him together. Et toi, tu veux l'unifier? Vous voulez l'unifier? He is already together. Ah, il est déjà unifié. Il est déjà ensemble. Mais pourquoi est-ce que vous utilisez le mot tawhid? To correct those who say false things. No, my friend, no. You said if you believe in tawhid, that's. Non, mais tu as dit que si tu crois dans le tawhid. We believe in unifying, not in the oneness. Donc tu as dit que vous croyez dans l'unification et pas dans le un, la nature d'être un, l'unité. You see, the Muslims, they fool us and they say to us, we believe in the oneness of Allah, but. Mais les musulmans, des fois, ils nous trompent. Ils nous disent qu'ils croient que Allah est un.
In fact, they believe in the tawhid. Mais au moment où ils croient dans le tawhid, qui veut dire unification. Tawhid, you are the one who told me about tawhid. C'est toi qui viens de donner la signification de tawhid. Mean unifying. Qui veut dire unifier. By unifying God, who is one already. Tu ne peux pas donc unir Dieu qui est déjà un. Unless you are agreeing with them. À moins que tu puisses être d'accord avec ceux qui les divisent. Every time human beings, no problem. Every time human pas de problème. Beings, they say false things about God. Mais les êtres humains, des fois, ils racontent des choses mauvaises, des fausses choses à propos de Dieu. Okay, that's fine. Et Dieu envoie ses messagers pour corriger ça. Wonderful. Okay. Merci. Allah, he send messengers to correct, correct. C'est bon, tu dis que Dieu envoie les messagers pour corriger. Les humains qui disent des choses fausses. Ok, what about Muhammad? Who Allah, Allah, did Allah send any messenger to correct Muhammad? Est-ce que Dieu avait envoyé un messager pour venir corriger Muhammad dans ses erreurs? Est-ce que Dieu avait envoyé un messager pour corriger Muhammad? Muhammad was sent by Allah. Mais Muhammad était envoyé par Allah. Okay, but who is the one who Allah sent him to correct Muhammad? Mais qui est celui que Allah a envoyé pour corriger Muhammad? Because Muhammad, he fabricated many stories about Allah. Puisque Muhammad a fabriqué beaucoup de choses à propos de Allah. Isn't it, there is a chapter in the Quran called the chapter of at-tahrim? Allah. Et n'est-ce pas qu'il y a un chapitre dans le Coran, on appelle ça le chapitre de tahrim. He said to him, why you are forbidding what I ask you not to forbid? What? Là où Allah le corrige, il dit que pourquoi est-ce que tu t'interdis ce que moi je ne t'ai pas dit d'interdire? To make the offer for you? Pourquoi? He made mistakes and God corrected. Okay. Ah, il a fait des erreurs et Dieu a corrigé. Mais c'est toi qui viens de dire il n'y a pas une seconde, tu as dit que Dieu envoie les messagers, les prophètes pour corriger. Mais dans le cas de Muhammad, c'était lui qui avait fait l'erreur et Dieu est venu corriger. He is the one who correct himself. Et c'est lui qui s'est... Et c'est Muhammad qui s'est corrigé, donc tu brises la règle. Comment expliquer ça? Human being, not a, no not problem. He is a human being, but that's. C'est un être humain. Il y a pas de problème. C'est un être humain. That means he is not a qualified. Donc il n'est pas qualifié. Because he is breaking the command of Allah. Puisqu'il brise le commandement de Allah. He is doing something wrong. Donc il fait quelque chose de mauvais. And Allah, here we don't see any prophet sent to correct him. On n'a pas vu de prophète qui est venu le corriger. Let me ask you. Okay. Attends, je te demande, je pose la question. No problem. Pas de problème. They don't sin. So the Quran, are you saying the Quran is lying? Les prophètes ne font pas des péchés. Tu veux dire que le Coran ment? And Allah, here we don't see any prophet sent to correct him. Let me ask you. Okay. No problem. Les prophètes ne pêchent pas. Tu veux dire que le Coran ment? Oh, qui t'a dit que le prophète ne pêche pas? They don't sin. So the Quran, are you saying the Quran is lying? Donc tu veux dire que le Coran est en train de mentir? Because the Quran says your prophet is a big time sinner. Donc, puisque le Coran dit que ton prophète est un grand pécheur, qui t'a dit que le prophète ne pêche pas? Alors tu dis, les prophètes ne font pas des péchés. Qui t'a dit ça? Huh? What does it say? You just said the prophet don't sin. Isn't it the Quran? Tu sais toi qui a dit que le prophète ne pêche pas. Dans le Coran, il a menti. Says that your prophet is a big time sinner. Le Coran dit que ton prophète est un grand pécheur. Really? Okay, let's see. Donc le prophète n'a pas péché. Voyons. This is Quran, chapter 48, the chapter of Muhammad al-Fatah. Ça c'est le chapitre al-Fatah, le chapitre 48. Verse number 2. Au verset 2. Allah may forgive to thee the sin which in the past and which to come. Allah giving Muhammad an open license for sin. Donc Allah qui donne l'autorisation à Muhammad, il dit que Allah puisse te pardonner les péchés à venir, tout ça. Donc, c'est comme si Allah est en train de donner à Muhammad la licence de pécher. On va voir ça
on va présenter, qu'on puisse lire ça en français. C'est comme si il a donné la licence à Muhammad d'être un pêcheur. Allah va lui pardonner les péchés à venir, tout ça, hein, tout ça. On va voir sourate 48 au verset 2. Afin que Dieu te pardonne tes péchés, passés et futurs. Donc, c'est comme s'il lui a donné la licence pour pécher. Est-ce que Dieu peut faire ça? Correct. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? The sin in the past and the... Le péché dans le passé the sin in to come. Et le péché futur. Okay. What kind of God he is forgiving Muhammad and he's saying to him maybe. Quel Dieu peut dire ça à Muhammad, hein? Et lui dire que Dieu puisse le pardonner les péchés, passer tout ça. Hein? Et là, il a dit que Dieu te pardonne. Afin que Dieu te pardonne. You said to me, Muhammad don't have sin. So how Allah forgive sin in the past and sin to come? Tu as dit que le prophète ne pêche pas, que Muhammad n'a pas de péché. Mais comment est-ce qu'Allah lui dit que Dieu peut te pardonner tes péchés? If you don't have sin. S'il n'a pas de péché. That doesn't literally mean he has any sins. It may mean that he has mistakes or so forth. Ah, cela montre qu'il a aussi des erreurs, tout ça. No, the word in Arabic is dhambuka. Non, le mot arabe c'est dhambuka. And I can show you the word all over the Quran. Dhamb is a sin. Je peux te montrer dans tout le Coran. Lorsqu'on parle de dhamb, cela veut dire c'est un péché. Ce n'est pas une erreur. And why, if it's fault, need to be forgiveness? Fault is fault, you know. Et si c'est une faute, c'est une faute. Pourquoi ça demande qui est le pardon? La faute, c'est une faute. Like as an example, I was opening the box and I broke the key. C'est comme par exemple, j'étais en train d'ouvrir une boîte et j'ai cassé la clé. That's not a sin. Ce n'est pas un péché, ça. That is a mistake. C'est une erreur, une erreur. And, you know, sin is something you do against God. Un péché, c'est le mal que nous faisons contre Dieu. The word them is you do something against God. Et them, c'est un mal que nous faisons contre Dieu. Not just a mistake. Pas seulement juste une simple erreur, you know, tu vois. If I'm driving my car and I hit a human being and he died. Si je suis en train de conduire sur la route et je cogne un humain et je le tue. You know, this is not sin, even though I killed him because. Ce n'est pas un péché, même si je l'ai tué, même s'il est mort, mais ce n'est pas un péché. I didn't mean to kill him. Je n'avais pas l'intention d'aller le tuer. Right? Tu vois? Yeah. Okay. So why Allah want to forgive the sin of Muhammad for the past and to come? And what kind of God he gave an open license for a prophet? Mais comment est-ce que Allah veut pardonner les péchés à venir de Muhammad, tout ça? Quel genre de Dieu donne une licence de péché? Sin. Don't the Muslims they say to us that one upon the time there was a pope he was giving a paper for. N'est-ce pas les musulmans qui nous disent qu'il y avait dans l'histoire un pape catholique qui donnait le péché pour pardonner les qui donnait le papier les papiers pour que les gens puissent pécher dans le Moyen Âge. Tout ce qu'ils disent là, oh, c'était un mensonge. But the fact is the one who did that, it is Muhammad. Or que celui qui avait donné la licence pour que les gens puissent pécher, c'était Muhammad. He gave himself a paper. Say Allah, forgive me for my past. Et il a donné donc un verset, un papier. Là où il dit que Allah le pardonne pour ses péchés futurs, passés. For my coming sin. As far as we know, the Prophet Muhammad, he was offered the world and he rejected it for the sake of God. Et ce que nous savons que Muhammad, le prophète, on lui avait donné le monde, mais il avait rejeté ça à cause de Allah. Rejected what? Il a rejeté quoi? The whole world. Le monde entier. Really? Réellement. Muhammad, he was taking money. Ah, mais c'est le même Muhammad, lui, qui prenait l'argent des gens. He don't even meet people unless they pay him. Et il ne rencontrait personne avant que tu ne puisses le payer. I don't know. What are you talking about, my friend? Tu parles de quoi, mon frère?
Do Muhammad accept to meet you in his house unless you pay him first? Est-ce que Muhammad a accepté qu'il puisse recevoir des gens dans sa maison avant que tu ne puisses le payer? He don't accept. Muhammad was hospitable. Il ne faisait pas ça. People would eat in his house, and then the Quran says that God is telling. My friend, those are his gang. Et Muhammad a rencontré des gens dans sa maison, mais ça c'était des bandits, c'était ses amis bandits. Why? He, no, he told them go right away because he don't want them to stay and eat more. Mais des fois, il n'est-ce pas qu'il le disait de partir tout de suite là, puisqu'il ne voulait pas qu'il puisse venir manger beaucoup. That's what, okay, why you are asking them to leave? Why you are... Mais pourquoi est-ce qu'il demandait à ses amis de quitter la maison? N'est-ce pas qu'il demandait à ses amis de quitter la maison? Si toi, tu dis qu'il recevait ses amis partout. Asking them to leave. Because there's a lot of Muslims. If all of them want a conversation after. Puisqu'il y avait beaucoup de musulmans, tout le monde voulait venir dans la maison de Muhammad. Yeah, then yeah, it would be annoying. So, but why you have to pay Muhammad before you meet? Mais pourquoi devrons-nous payer Muhammad avant de le voir? The Quran. Qui a dit ça? Mais c'est le Coran. Not true. Okay, can I call a friend? Quel chapitre? Oh, tu veux que je puisse appeler un ami pour me donner le verset? There may be verses about spoils of war and stuff like that, but no. Did you say your prophet he takes spoil of war? Il peut y avoir des versets concernant donc le partage des butins. Oh, donc tu veux dire que ton prophète lui partageait les butins de guerre? C'est ce que tu veux dire? Why is a thief? Pourquoi? Est-ce qu'il te dit un voleur? No, that's how it is. That's how life was. Ah non, c'est comme ça que était la vie à cette époque-là. Ah, ok. So, okay. So he make living from a spoil of war. Donc Muhammad, lui, vivait à partir de le butin, des choses qu'il a arrachées à la guerre. What your prophet business? What he do for a living? Donc votre prophète, il faisait quoi? Comme travail? Son activité, c'était quoi? There was a point where he was trading in gold. Ah, il y avait un moment où Muhammad, il vendait de l'or. He was trading in gold? Il vendait l'or. Yes. Okay. Okay. Where we can find the reference for that? Est-ce que tu peux nous donner la référence de ça? From his wife's gold. From okay. Khadija's gold. So he married an old. Ah, donc c'était à partir de sa femme, de sa femme Khadija. Old woman, because she is rich. Thank you very much. Donc tu veux dire que Muhammad s'est marié à une femme puisqu'elle était riche? Much. Merci beaucoup. Here we see Muhammad. Ici nous voyons. Muhammad, he have a lot of gold, as you see. Muhammad a beaucoup d'argent ici, beaucoup d'or, comme tu as dit. And yet Allah, he told him, take from their money, from their wealth, and by doing that, you can purify them and pray in their behalf. Là où Allah l'autorise, il a dit que tu peux prendre de l'argent de ces gens ici, et avec cela, tu vas faire la purification de ces gens ici. Tu vas les purifier. Hein? En prenant leur argent, tu vas les purifier. Have you ever heard of somebody? If I pay him, he pray in my behalf. As-tu déjà entendu quelqu'un? Tu lui donnes l'argent et lui prie pour toi? And he purified me. Et il me purifie. What kind of God and what kind of prophet? Why I need to pay Muhammad? Quel genre de Dieu? Pourquoi est-ce que je dois payer Muhammad pour qu'il puisse prier pour moi? So he will pray in my behalf. This is. Donc, il va prier pour moi si je lui donne l'argent, comme dit le verset. Pourquoi? What false people do, like false priests. C'est ce que font les aventuriers, les pasteurs, là, les faux prêtres qui ne servent pas Dieu. No, if a priest, Christian prince, is a scammer. Si moi, Christian prince, si j'étais un voleur, un arnaqueur, a liar, he will say, okay, pay me. Si j'étais menteur, j'allais dire, donne-moi de l'argent. And I will pray to God. Paye-moi et je vais prier Dieu. Forgive you. Et Dieu va vous pardonner, vous purifier. This is a scam, dude. So c'est ce que font les arnaqueurs. Satan people. Why your Trompé. Prophet, he need your money to pay him in order to pray in your behalf. Pourquoi est-ce que votre prophète a besoin de votre argent pour qu'il puisse prier pour vous? I never heard of such a thing before. Je n'ai jamais entendu pareille chose. What do you think? We can change the translation for you if you want. Tu penses quoi? On peut même changer la translation de ce verset si tu ne veux pas.
by the way. I'm not sure which one you like. Je ne sais pas quelle meilleure translation tu aimes. We believe in Islam that when you're given charity, that this purifies. Nous croyons dans l'islam qu'on peut donner la charité, des dons volontaires. What's the point of this charity, my friend? This is not a charity because you are paying to the prophet. Non, ça c'est pas la charité puisque ici tu es en train de payer au prophète. Charity, no, you give it to the prophet. Charity, no. La charité, on donne ça aux pauvres. No, no. Charity, Muhammad, he has 13 wives. Who is the one paying for the 13 houses? Mais Muhammad lui avait 13 femmes. Qui payait pour ces 13 femmes là? Who is the one? What kind of salary does guy he have? Quel genre de salaire ce monsieur avait pour entretenir? Pour entretenir toutes ces femmes-là qu'il avait et ses esclaves. Chaque femme avait ses esclaves. Les femmes de Muhammad, chacune de ces femmes-là avait ses esclaves. Chaque femme avait une maison. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir 13 femmes. Can you afford 13 wives? Est-ce que toi tu peux supporter 13 femmes? Can you? No, my friend, most are the same because you have to pay dowry. It's very expensive. Nothing. Ah, c'est trop cher. Tu dois payer la dot, tout ça, et ça coûte beaucoup d'argent. Ah, c'est un prophète de Dieu, il est spécial. Mais l'argent, ça venait d'où? Il est prophète de Dieu, mais d'où venait l'argent? Il est prophète, mais d'où venait cet argent-là? L'argent venait de l'armée, de ceci et de cela, ok. Le butin, ah, donc tu veux dire que Muhammad était en train d'attaquer? D'attaquer les gens, tout ça. Et donc, il les attaquait pour avoir beaucoup de femmes. Ah, merci. Donc, avez-vous écouté ce que le monsieur dit? Donc, lui, il attaquait et il faisait des conquêtes chez les voisins. Et il volait leur argent, il volait leurs biens. Even the Muslims, they accuse him that he stole an underwear. Is that correct? Jusqu'à ce que le musulman lui-même accusait qu'il avait volé, que Muhammad avait volé un sous-vêtement. Est-ce correct? He conquered the Arab pagans that kicked them out. Non, il avait conquis les Arabes païens qu'il avait chassés. From Mecca. Qu'il avait chassé de la Mecque. First of all, nobody kicked him out. This is a big fat lie. D'abord, personne ne l'avait chassé de la Mecque. Ça, c'est un mensonge. No, this is his family anyway. Those are his family. No, my friend. Non, ça, c'est sa famille. La Mecque, c'est sa famille. This is his family. Forgive who? Quraysh is his family. All of them. Et de pardonner le Quraysh, mais c'est sa famille. Their cousin. Ce sont ses cousins. The Arab pagans, even the one who killed his own uncle. Et de pardonner les Arabes païens, même ceux qui avaient tué son propre oncle. My friend Muhammad, he killed everybody, everyone. When he entered Mecca, he said, Muhammad avait tué tout le monde. Lorsqu'il était entré à la Mecque, il a tué tout le monde. There's four people have to be killed, even if they hang themselves in the Kaaba. Il avait même attaqué les gens là. Il y a des gens qui devraient être tués, même s'ils partaient se cacher, se réfugier à la Kaaba. Four people have to be killed. Quatre personnes qui devraient être tuées. Et Muhammad avait donné l'ordre. Now he's an angry man. He hit everybody. The rest are... Et il était très fâché. Il haïssait tout le monde. His family. Now, même sa famille. Je vais te poser une question. Did Muhammad cut a woman to pieces when she's alive? Her name is Umm Qurfa. Est-ce que Muhammad avait-il tué une femme lorsqu'elle était vivante en l'écartant? Et il l'a écartelée. Cette femme-là était encore vivante. Attendez, je vais répéter ça. The rest are his family. Now let me ask you. Did Muhammad cut a woman to pieces when she's alive? Her name is Umm Qurfa. Muhammad avait tué une femme en la dépiéçant en deux morceaux. Et le nom de cette femme-là, on l'appelait Umm Qurfa. Umm Qurfa. Est-ce que Muhammad avait fait ça? Attendez, je vais répéter ça pour que les gens puissent bien suivre ça.
body. The rest are his family. Now let me ask you, did Muhammad cut a woman to pieces when she's alive? Her name is Ummu Qurfa. Est-ce que Muhammad avait-il coupé une femme en deux pièces, en l'écartant? Et cette femme-là, son nom c'est Umm Qurfa. Où est-ce que tu as eu cette histoire? You want to challenge me to show it to you? Tu veux me lancer un défi pour te montrer cette histoire? Sure. Okay. Oui, je te défie. Second. Donne-moi une seconde. Est-ce que je peux appeler un ami qui puisse me donner la référence? Let us see. And I'm glad that you speak Arabic. That will make it easy, you know. If her name is Ummu Qurfa. Avant de partir là, je vais vous donner ce verset ici qu'il a donné, 103. Il dit ceci. Of the good, take arms that you might purify and sanctify them. Donc ici, Muhammad a reçu l'ordre au verset 103 de prendre de leur argent, de l'aumône, pour qu'ils puissent purifier les Arabes et les sanctifier avec l'argent. Et on continue. Attendez, je dois vous donner la version exacte. Maintenant, pour gagner le temps, puisque nous courons derrière le temps, on évolue. We get these stories. You want to challenge me to show it to you? Tu veux me lancer un défi pour te donner la version de Qurfa qui a été tué par Muhammad? Sure. Okay. Oui. Give me a second. Donne-moi une minute. Can I call a friend? Je peux appeler un ami? Voyons. I'm glad that you speak Arabic. That will make it easy. Je suis content que tu parles arabe. Cela va rendre la vie, la tâche facile. No. We'll see it, man. Okay, let's see. On va voir. Woman, she is very old. C'était une femme âgée, très âgée. Your prophet, he cut her two pieces. Et votre prophète l'a coupé en deux morceaux. When she's alive. Pendant qu'elle était encore vivante. It's a magic show. Yeah, we will see. Did you see this David Blaine? We will see. We will see. On va voir ça. We'll see the show. Okay. Let us see. Ça c'est. Tu veux me donner l'histoire de la cirque, hein, des gens, des spectacles? Non, on va voir ça. Yeah, you're probably getting these stories from. From where? What do you? Donc, tu as ramassé cette histoire d'eau. Donc, tu penses c'est d'où? Tu as eu ça des livres fabriqués? Fabriqués, tu veux dire ça? Preparing yourself. I did not even show you the story. Je ne t'ai même pas encore montré l'histoire. Tu commences à dire que c'est fabriqué. Right away you start saying fabricated book. Et tu commences déjà à renier ça, comme si c'est fabriqué. Right? Right away, I did not even show you the story yet. Je ne t'ai même pas montré d'abord la référence. Toi, tu dis que c'est fabriqué. And right away, you prepare yourself. Right away. Et tu te prépares déjà à renier ça. Tout ce que nous montrons aux musulmans, ils disent que c'est fabriqué. Anything we show to the Muslims, anything we show to the Muslims. I have is the Quran. Les 100% que j'accepte que nous avons, c'est le Coran. Okay, let us go to the Quran. Mais donc tu veux qu'on puisse partir au Coran? As long as 100%. Okay, so you know now that this story is true. Donc toi tu sais que cette histoire ici est vraie. On part au Coran comme tu veux. You know. This is At-Tabari. This is Ça, je te donne l'histoire de At-Tabari. At-Tabari. Your prophet, he cut this woman two pieces. Let me show it in the screen. Votre prophète a coupé cette femme en deux morceaux. Je vais montrer ça dans l'écran. You're a prophet and you speak Arabic, you have no excuse. Et tu parles arabe, tu n'as pas d'excuse. All right. He cut her two pieces. Il a coupé en deux morceaux. Ajuz and kabira. Do you see a text? Est-ce que tu vois le texte? Wa kanat ajuz and kabira. Tu vois le texte? Le texte là où il a coupé la femme en deux morceaux? All right. Fa amara an yuqta an tuqta li Ummu Qurfa. فقتلها قتلا عنيفا ربط let me zoom for you. Je vais zoomer ça pour que tu puisses bien voir ça.
can see what I'm talking about. All right. ربط رجليها حبلين ثم ربطها إلى بعيرين ثم شقها. Do you see it? Est-ce que tu vois ça? He tied her legs. He tied her two legs to two different camels. Il a attaché ces deux, les jambes de cette femme ici, à deux chameaux différents, à deux chameaux. And he ordered the camels to run in two different directions, and he cut her two pieces. Et il a commandé à ces chameaux de partir dans deux directions différentes, et il a coupé cette femme en deux morceaux. When she's alive. Pendant qu'elle était encore vivante. This is your imam at Tabari. Ça, c'est votre imam At-Tabari qui a écrit ça. Now, maintenant, we go to the Quran. On peut partir au Coran. What do you do for people who you kill them in Islam? Que faites-vous des gens que vous tuez dans l'islam? After you kill them. Après les avoir tués, qu'est-ce que vous faites? What do you do? Que faites-vous de ces gens-là? What do you do for someone who is a prisoner of war? Qu'est-ce que vous faites de quelqu'un qui est prisonnier de la guerre? Is it true that you have to cut their fingertips, torture? Est-ce vrai que vous devrez les couper les doigts, les torturer? Est-ce vrai? Show them. Are you there, my friend? Tu es là, mon frère? Hello? Allô? Are you there? Es-tu là? Allô? Hmm? Hello? Allô? What happened? Qu'est-ce qui se passe? Hello? Et allô? Hello? Hello? Tu es où? All right, my friend, take it easy. Hein? You see, anything you show them, right away they start playing games, it's weird. De tout ce que vous leur montrez, ils commencent à jouer. Non, ça c'est un indice qui est fabriqué, c'est faible, c'est naïf. It's strong. This is your religion. You cut their necks and even you cut their fingertips. Ça c'est votre religion. Là, on vous dit, vous les coupez, vous allez couper leurs doigts, vous coupez leurs mains. C'est écrit là, c'est écrit, c'est votre religion. Vous le torturez. This is the prophet, the Muslim, they keep saying to us that Allah is all merciful and Muhammad is all merciful. And then when he captured his enemies, and I can show you actually, Muhammad, he put nails in the eyes of people and he... Et ça, c'est votre prophète dont les musulmans nous disent qu'il était miséricordieux, tout ça, tout ce qu'il nous raconte. Et je vais vous montrer que votre prophète a tué des gens. Il a tué des gens et il les a même... Il a même mis des clous dans leurs yeux. Je veux vous montrer ça. Crucified them, and he cut their hands and their feet. Il a coupé leurs pieds, leurs mains, tout ça. Je veux vous montrer ça. Yes, Mr. Mustafa. Oh, mon frère Mustafa, qu'est-ce qui s'est passé? Hello. You hear me now, huh? Yes, I hear. All right. Do you see the verse in the front of us, chapter of people, and he crucified them, and he cut their hands. You see, anything you show them, right away they start playing games. It's weak. It's strong. Tout ce que vous leur montrez, Irénée. And you cut their necks, and even you cut their fingertips. Torture. Vous les torturez. This is the prophet, the Muslim. They keep saying to us that Allah is all merciful and Muhammad is all merciful. Et vous dites que Allah est miséricordieux et Muhammad est aussi miséricordieux. Then when he captured his enemies, and I can show you actually. Je peux vous montrer ça. Comment est-ce qu'il traitait ses ennemis? J'ai répété un tout petit peu. Muhammad, he put nails in the eyes of people, and he. Muhammad a mis des clous dans des yeux des gens. Il a mis des barres de fer dans leurs yeux. Crucified them. Il les a crucifiés. And he cut their hands and their feet. Il a coupé leurs pieds et leurs mains. Yes, Mr. Mustafa. Allô, Monsieur Mustafa. Hello. Allô. You hear me now, huh? Allô. Yes, I hear. All right. Tu m'entends bien? Do you see the verse in the front of us, chapter of 8 and Anfal? Tu as vu ce chapitre ici au verset 12? To say that you have to cut the fingertips of the enemy. Est-ce qu'on dit que tu dois couper les doigts de l'ennemi, tout ça? Est-ce que tu vois le verset comme c'est écrit? Attendez, nous allons projeter ça en français.
pour la bonne compréhension. On va mettre ça en français, dans la langue française. Nous allons projeter ça juste une minute. Oui, alors, on y va. On continue avec Jean-Pierre. You cut their necks? Et vous devez les couper leur cou, n'est-ce pas? You're talking about the thieves. Non, ces versets parlent des voleurs. This is not about the thief. This is about the attack, you know? Non, ça, c'est pas à propos des voleurs. C'est à propos de l'attaque. The enemy. En attaquant l'ennemi. You know? Ce ne sont pas des voleurs ici. اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات. Why you wanna cut their fingertips after you cut their neck? Pourquoi est-ce que vous allez couper leurs doigts, le bout des doigts après avoir coupé leur cou? Pourquoi? What the point? Quel est le but de faire ça? Je ne sais pas. You are a Muslim. Tu es musulman. I'm asking you. I'm enjoying learning from you. Look. Je te pose la question et je prends plaisir à apprendre de toi. Like you know a lot about Islam. Peut-être que tu connais beaucoup à propos de l'islam. Obviously, sometimes there was war. Yeah, but if there is a war, I cut your fingertips. Dans là, c'était le temps de la guerre. Donc. So you are dead now. What donc, dans le temps de la guerre, je dois te couper tes doigts. Tu es déjà mort. Pourquoi faire ça? Why I want to cut your fingertips? Pourquoi couper le bout de doigt si tu es déjà mort, si on a déjà coupé ton cou? Quel est le but? What is the pleasure the God of Islam he enjoy by cutting fingers of people after we kill them? Quel est le plaisir que le Dieu de l'islam trouve en coupant les doigts des gens après avoir tué la personne, même si c'est à la guerre? Quel plaisir? We cut his neck and now we have to cut his finger. Why? On a déjà coupé son cou. Maintenant, on doit couper aussi le bout de ce doigt. Do you make them sausages? Maybe you eat them Muslims? Pourquoi? Ou bien vous en faites des saucissons? Vous mangez cette chair quoi? Pourquoi? Well, I guess those times there wasn't any hand oil, you know. Ah bon, peut-être à cette époque-là, c'est comme ça qui faisait ça ou quoi? Ah, okay. By the way, okay. I heard that you can eat your wife. Ah, donc j'ai même entendu que tu peux même frapper ta femme. In Islam, is that correct? Maybe. Est-ce correct? Sorry about Henry VIII. No, I'm serious. Is it true that you can eat your wife? Je suis sérieux. In Islam? Dans l'islam, on peut faire ça. Watching zombie movies or something. My friend, I can show you, you know. Je peux te montrer ça. Here we go. Even the I can show you. This is the Iranian TV station, Al Alam. Et ça, c'est la télévision iranienne. On peut non seulement frapper, manger. Oh, il faut corriger ça. Manger la femme. Je vais te montrer une télévision iranienne. Ce qu'ils ont dit. Ils sont des musulmans. And this is here, Mufti Saudi. You read Arabic. I know Arabic, so nobody. Et ça, c'est le Mufti qui a parlé. Toi, tu parles arabe. Moi aussi, je connais arabe. Nobody is lying to anyone. On va pas dire qu'il est en train de mentir. Mufti Saudi, you know. Ça, c'est. Je vais te montrer Mufti. Mufti Saudi, ce que Mufti a parlé. Je vais te projeter ça pour que nous puissions tous voir. He is going against the fatwa, which. Il lui s'oppose au fatwa qui dit. It says that you can eat your wife. Qui dit que tu peux manger la chair de ta femme. Let me find you another reference. Hold. Je vais te donner une référence, une autre référence. And why? Because in Islam, if a man is hungry, you know. Puisque dans l'islam, si un homme est fâché, it's lawful for him to eat his wife. Il est permis pour qu'il puisse frapper sa femme. And actually, here we go. I have actually there's a video about it. Il y a même une vidéo à propos de ça. Okay.
after he people they got him busted in the video saying that après que les gens l'ont attrapé, ils l'ont condamné à propos de la vidéo. You can eat your wife. Là où il a dit que tu peux frapper ta femme. This guy, many people they got so angry, and what this guy is talking about, and this is the mufti. Et beaucoup de gens étaient fâchés. Comment est-ce que ce mufti peut dire ça? Of Saudi Arabia. Ça c'est le mufti de l'Arabie Saoudite. Saying you can eat your wife if you are forced into anger. Il dit que tu peux frapper ta femme si tu es frappé dans la colère. Tu es très fâché. Ok. So if you got a fat wife, you got a good portion. Now, ok, let me ask you. Que je pose la question. He ate a human being? Je te pose la question. Est-ce qu'il y a Ibn Walid avait-il mangé un être humain? La question. Now, ok, let me ask you. Did Khalid ibn Walid he ate a human being? Est-ce que Khalid ibn Walid avait-il mangé un être humain, la chair d'un être humain? He killed him and he cooked him. Yes. Il l'avait tué. Il a préparé la chair humaine et il a mangé cet homme. Khalid ibn Walid, c'était un Sahaba de Muhammad, n'est-ce pas? And here we see that your God saying that after you killed them, you cut their fingertips and you are the one stopped. Et ici, nous voyons votre Dieu qui dit que après les avoir tués, vous pouvez les couper leurs doigts, le bout des doigts. Et c'est toi qui as même blagué. Tu as dit que peut-être à cette époque-là, il n'avait pas de l'huile, il n'y avait pas d'huile. Peut-être il voulait fabriquer de l'huile. Tu as même blagué. What do you think? Qu'en penses-tu? Do Allah eat a human? Est-ce que Allah mange les humains? What do you say? Qu'est-ce que tu dis? Do Allah eat a human? Est-ce que Allah peut manger un humain? Backbites, like they're eating their own brother's flesh. Okay. Ah non, sont les hommes, des fois ils mangent la chair humaine de leurs frères. But I'm not asking about Allah. Non, je pose la question sur Allah. Peut-il manger un humain? Do Allah eat a human? Qu'est-ce qu'Allah peut manger les hommes? Non. Huh? Quoi? No. Non, il ne mange okay. pas. Well, there is a verse in the Quran. Il y a un verset dans le Coran. Speaking that Allah is going to, insert a chain. Qui dit que Allah va insérer une chaîne. In the anus of a Muslim. Dans l'anus d'un musulman. And then he will roaster him for the believer, or sorry, non-believer, and he will roaster him. Et il va le rôtir au feu. He will put the chain in his anus and. Et il va mettre la chaîne à partir de l'anus. It's going to come from his mouth. Et la chaîne va sortir à partir de l'anus en sortant par la bouche. What do you think? Qu'est-ce que tu dis? Why Allah is doing that? Pourquoi est-ce qu'Allah fait? Pourquoi est-ce qu'Allah fait ça? Something frightening, you know. So something what? Quoi? Something frightening. Okay, but why Allah want? Ah, c'est quelque chose d'effrayant ça. Mais pourquoi est-ce qu'Allah fait ça? To insert a chain in the anus of a human being. Mais pourquoi est-ce qu'Allah doit insérer la chaîne dans l'anus d'un être humain? What is that frightening? I mean, the frightening. Donc c'est effrayant, mais pourquoi il fait ça? Is to go to hell, but since when hell is to insert ce qui est effrayant, c'est partir en enfer. Mais depuis quand l'enfer, on doit insérer la chaîne, une chaîne métallique dans l'anus de quelqu'un? Something in the anus of somebody. Pourquoi? Has. What is the pleasure that will bring to Allah? And ça va apporter quel plaisir à Allah de faire ça? I mean, you've got Allah here. Specific sexual entertainment. C'est comme si votre Dieu a des plaisirs sexuels pour faire sur les humains. Il y a même des gens que Dieu ne considère pas. Il les éloigne. Mais ça, c'est pas la question. Comment est-ce qu'Allah trouve du plaisir en faisant ça? Inserting something in the anus of a human being. What is the joy? What is the en insérant une chaîne métallique dans l'anus de quelqu'un. The reward he received from that.
Qu'est-ce qu'Allah trouve en tout ça? Tu es pécheur et puis maintenant? Inserting in your anus a chain. What? Et Allah doit insérer une chaîne dans ton anus. Pourquoi? Is the point. C'est quoi? I'm asking you. I'm trying to learn from you. Je te pose la question. Je veux apprendre. What is the point of this? I mean, so you want me to explain this? Donc tu veux que je puisse expliquer ça? Well, okay, let us say I am an idiot and you are the smart one. Please. Peut-être, supposons que je suis idiot et toi qui es intelligent, tu peux m'expliquer ça? Explain to me why Allah is going to insert in the anus of a human being a very long chain. Which... Pourquoi est-ce qu'Allah va insérer une chaîne très longue dans l'anus de quelqu'un? He's saying that every ring of it have equal iron of all the world. Et chaque anneau de cette chaîne a le poids de tout le métal du monde. How you can put that inside the anus? Tu vas insérer ça comment dans l'anus de quelqu'un? Maybe just stop looking for stories about anuses. Who is looking for a story? Allah? De pourquoi tu cherches cette histoire de l'anus ici? Qui va faire ça? C'est Allah? Oh, you. Okay, well, non, c'est toi. I'm looking for a story about Allah and look like I found that Allah is very specifically like he specialized with anuses. Supposons que je cherche l'histoire de Allah. Well, I am not the one who mentioned it. It's your God. C'est who spoke long before I am born. C'est pas moi. The one who speak about anuses. C'est pas moi qui ai mentionné ça. C'est votre Allah. C'est Allah qui parle de la chaîne ici. Au verset 32, il dit que il va dire make him march in a chain. Et il parle de la chaîne. Une chaîne métallique, la longueur, c'est 20 cubits, 70 cubits, hein. C'est ça la longueur, il va insérer ça. Pourquoi est-ce qu'Allah parle de ça? Why your God is going to insert in the anus of a human being? Pourquoi est-ce qu'Allah va insérer cette chaîne dans l'anus de quelqu'un? If speaking about anus is something bad, I mean, why your God is, Allah is doing that? Si parler de l'anus, c'est quelque chose de mauvais, pourquoi est-ce qu'Allah parle de ça? And guess what? This is a chapter 69 in the Quran. I mean, this is a miracle by itself. Your God. Et ça, c'est le chapitre 69 du Coran. Tu vois le miracle de ton Dieu? Ironiquement. But Allah chose the perfect number to speak about this. You know, this is a miracle. The Muslims, I want the Muslims to make a video about this. C'est comme si Allah fait des miracles à propos de ça, n'est-ce pas? Because how Allah he chose 69 as a number for the verse? Comment est-ce que Allah choisit le numéro 69 pour parler de ce verset? This is obviously it's a miracle. He right, not the right choice. C'est comme un miracle. 69, let us go and see what the verse is saying. Au chapitre 69. All right. Until now we could not find who's Allah. I'm trying to find who's he, but look like. Jusqu'à présent, on ne peut pas trouver Allah. C'est qui? On ne peut pas trouver jusqu'à présent, n'est-ce pas? On ne peut pas trouver. Because God, he have really a problem, you know, he enjoy certain fantasy, inserting his fingers. Donc, c'est Dieu, il trouve du plaisir en insérant dans l'anus de quelqu'un. And then fasting him, this is Ibn Kathir, explain the verse. Donc, c'est Ibn Kathir qui explique. Guy, all right, let us be sure that the video is coming right. Okay. Il faut qu'on puisse rassurer. Wherefore the length of 70 cubits, so the chain is 70 cubits length. Okay. Dans l'amour, he says, la chaîne. Every ring, it will be equal to the entire amount of the iron is found in the world. Là, c'est Ibn Kathir qui est en train d'expliquer ce chapitre-là, au chapitre 69. Là où il parle de, il est en train d'expliquer ce verset-là. On va vous projeter ça même. Hein. Même en français, vous allez voir ce que Ibn Kathir a expliqué là-dessus. On y va. You see how big the ring of every ring of this chain? This is huge, man. Est-ce que vous voyez la dimension? Attendez, on va vous projeter le chapitre 69. Vous allez voir ce que Ibn Kathir a écrit sur ce. Le chapitre, ok, on va voir. Chapitre 69. On va voir ce que Ibn Kathir a parlé. Au verset 32.
le verset 32, nous allons voir ce que Ibn Kathir a expliqué. On va vous mettre ça en français. Ça, c'est le tafsir de Ibn Kathir qui a expliqué ce verset-là. On va grandir ça pour une bonne vision. Ibn Kathir a expliqué, il dit qu'attachez-les avec une chaîne dont la longueur est de 70 coudées. Chaque anneau de celui-ci sera égal à la quantité totale de fer trouvé dans ce monde. Ça, c'est le chapitre 69 au verset 32. Là, on parle de « Puis insérez-les dans une chaîne dont la longueur est de 70 coudées. » Ça, c'est le tafsir de Ibn Kathir. Et on continue avec le tafsir de Christian Prince, l'explication, l'exposé de Christian Prince. Will not be even one ring of the chain. So imagine. Imaginez-vous. Are you there? Oh, il a coupé. Est-ce que tu es là? Me hang up. Il a coupé la communication. The funny, when I showed them this, they said to me, look like you are interested in the anus. Et ce qui est drôle, lorsque je leur montre ça, ils disent que je suis là pour, je suis intéressé à l'anus. I am the one who is interested in the anus, right? Hein? C'est moi qui suis intéressé à l'anus, c'est ça? Let me call him back. Attendez, je vais le rappeler. It's me. It's my fault. Il m'accuse moi, il dit que c'est ma faute. Je le rappelle. Hey Mustafa, are you there? Mustafa, es-tu là? Okay, my friend, do you see now what Ibn Kathir is saying? And look what it says here. Hey, mon frère, est-ce que tu vois? Tu vois ce qu'il a dit, ce qui est écrit ici? This is how big the chain is. And then, tu vois la grandeur de la chaîne? Each cubit will be four arms, length of an angel. And you know how angel, like the angel Jibril, his wings cover the horizon. That's big. Il dit que ça sera la longueur, chaque cubit, chaque mètre, si on peut mettre cubit, coudé, ça sera la longueur de l'avant-bras de l'ange Gabriel. Tu sais comment est la longueur d'un ange, la dimension, la taille d'un ange. You know, look how huge. So and then he says, et il dit, in him, it will be entered into his buttocks. Ouch. And et il dit, on va le lier. Ça va entrer, on va faire entrer ça dans son anus. On va essayer dans son anus. Ah. Attendez, je vais vous montrer ça. Très bien. Chaque coudée sera à la longueur de l'avant-bras d'un ange. C'est ça la dimension de cette chaîne-là qu'on va insérer dans les fesses. Et puis, il sera entré dans ses fesses. Et retiré de sa bouche. Qui a écrit ça? Ça, c'est Ibn Kathir. Ça, c'est le tafsir de Ibn Kathir qui a expliqué ce que Muhammad a enseigné sur Sourate 69 au verset 32. Là, on dit, puis insérez-le dans une chaîne dans la longueur de 70 coudées. L'autre Coran dit, attachez-le avec une chaîne dont la mesure est de 70 mains. Là, c'est Ibn Kathir maintenant, le grand savant de l'islam, qui était un grand imam. Il a expliqué, il dit que on va insérer cette chaîne-là, entrer dans ses fesses et retirer sa bouche. Ils seront disposés sur cette chaîne comme des sauterelles qui seront sur un bâton qui est en train de rôtir. On va les rôtir. On va entrer ça dans ses fesses. Continue avec Christian Prince. Christian Prince. Pulled out of his mouth. Okay, you are the one who said that this is bad to be. C'est toi qui as dit que ça c'est mal tout ça. Be interested in anus. Why? Il est intéressé dans l'anus. Pourquoi? Your God is interested in anus, Mr. Musa.
Pourquoi est-ce que votre Dieu est intéressé dans les fesses, les anus, tout ça? Christian Prince, enjoy your anuses and your chains, okay? I don't give. Christian Prince, hein? Prends plaisir dans tes chaînes, tes anus, comme tu aimes en parler. Voici, il veut fuir maintenant. Il a coupé. Very embarrassing. Et c'est vraiment honteux, hein? C'est embarrassant de parler de ces choses ici. You see? Allah is God. Allah est Dieu. Allah is God, but he have a special fantasy. You know? Mais il a des plaisirs, des fantaisistes, tout ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça si Allah est Dieu? We are trying to learn about this God. He inserts in the anus of a human being a long chain. Nous voulons apprendre de ce Dieu ici. Il insère une chaîne dans les fesses de quelqu'un. Pourquoi ça? Okay. This is God. I mean, et ça, c'est un Dieu? God, he like that. Quel Dieu aime ça? If we watch a movie of somebody doing that, how sick we will get. Si on regarde juste un film de quelqu'un qui fait ça, mais ça va nous rendre malades. C'est dégueulasse, c'est très méchant de voir ça. Watching such a thing. De regarder ça. You have to be literally sick. Tu dois être malade. Okay, you want to punish the person, let us say. Littéralement, tu dois être malade. Tu veux punir quelqu'un, ok? He is a bad person, he is a criminal, you know. Mais si, même s'il est méchant, il est criminel, tout ça. So, what is this? Mais ça, c'est quoi ça? Hello? Allô? Hello, Christian Prince. Yes, my friend. Allô, Christian Prince. Are you a Muslim? Yes, Christian Prince. Tu es musulman? No, I'm a Hindu. I'm calling from India. Je suis hindou. J'appelle à partir de l'Inde. Right. Yeah. You were just talking to this guy and I thought I just wanted to quickly point out something. Lorsque tu parles à ce monsieur, je veux juste mentionner quelque chose. The chain you mentioned that Allah will insert in the person's anus. La chaîne dont tu as parlé que Allah va insérer dans les fesses des musulmans, des gens. Said it's 70 cubits long. Right. 70 coudées, c'est très long. But the cubit is each one of them is in the size of what? You see what it says there? Each cubit is in the size. Can you see the screen? Et il a même expliqué le cubit, chaque coudée, tu vois la taille de chaque coudée, ça sera la taille de quoi? Okay, what does that mean? Tu vois l'écran? If you are good in mathematics, what does that mean? Si tu es bon en mathématiques, lorsqu'on dit la longueur, ça veut dire quelle longueur de chaque coudée? The angel, he covered the horizon. Les anges couvrent l'horizon. Un ange. Ça, c'est comme une chaîne qui est sans fin. Combien est grande, quelle longueur a cette chaîne? Si chaque anneau de la chaîne, si un anneau a tout le poids du fer, de tout le fer du monde, comment ça? C'est comment ça? Et la taille de l'anus, c'est quelle taille? How the anus size is going to fit for all the iron in the world, every ring of it? Comment est-ce que l'anus va contenir le poids de cet anneau dont chaque anneau a le poids de tout le fer du monde? Comment expliquer cette folie ça? How many billions of tons of iron there will be in every ring of the chain? Ça serait des milliards de tonnes qu'il y aura dans chaque anneau de cette chaîne. I mean, this is weird. So c'est bizarre, ça. Or stupid, right? C'est stupide, n'est-ce pas? Okay, my friend, you have a bad internet, so. Ah, mon frère, tu as une mauvaise connexion d'internet. Do we have any Muslim? Y a-t-il un autre musulman qui veut nous appeler?
Christian Prince. Yes, my friend, how are you? Bonjour, Christian Prince. Comment ça va? I'm fine. Je suis bien. Are you a Muslim or ex-Muslim? Es-tu musulman ou bien ex-musulman? I left Islam, yeah. Wonderful. Et j'avais quitté l'islam ici. Oh, c'est bon, merveilleux. Wonderful. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, you would not... Are... What? Are you kidding me? You left Islam, so you will not have virgins no more? Tu veux dire que tu as quitté l'islam? Tu n'auras plus de vierges? Yeah, man. Can you send me your virgins, please? I mean, you don't need them. Hein? Tu peux alors m'envoyer ces vierges-là, les femmes vierges, les houris. Donc, tu peux me les envoyer? Anymore. You want virgins, you have to believe in Allah, my friends. Ah, tu veux des femmes vierges, des houris? Alors, tu dois croire en Allah? Okay, we can believe in Allah for 2 weeks, you go vacation, have fun with the virgins, come back. And then... On peut croire en Allah pour 2 semaines, aller nous amuser avec les vierges, et puis revenir. We leave Islam. Et puis quitter l'islam. Yeah, that's it. So what made you leave Islam, my friend? Qu'est-ce qui t'a fait quitter l'islam? I mean, if I looked in the life of Muhammad... Si je regarde juste la vie de Mahomet, de Muhammad, this guy cannot be a prophet. Il n'est pas qualifié de prophète. What do you mean? I mean, Muhammad is very... Qu'est-ce que tu veux dire? Mais Muhammad, very respectful. Muhammad a beaucoup de respect. Prophet, man, what are you talking about? Mais tu parles de quoi, toi? You must be kidding me. Tu dois être en train de blaguer. Yeah, according to the Muslims, he's... Oui, selon le musulman. C'est un homme parfait. According to the Muslims, he's horrible because all the reference we have is from Muslim books, isn't it? D'après le musulman, Muhammad est un homme horrible, puisque toutes les références que nous montrons ici, ça vient des livres des musulmans. Yeah. I mean, I was so stupid. I've been born into the religion, but I could. Mais remarquez, je suis né dans l'islam, tout ça, mais so much lies and... il y a beaucoup de mensonges dans l'islam. Yeah, so what happened? How, like, how you decided to leave, if you like? Tu peux nous dire comment tu as décidé de quitter l'islam? Like to share with people who they are listening. Si tu peux, tu veux partager avec les gens qui suivent ça. You need to give a personal information. Tu ne dois pas nous donner, si tu ne veux pas, des informations personnelles à toi. But like share some general information, like what... Mais tu peux nous donner juste des généralités. What make you start thinking about leaving this cult? Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à penser à quitter ce culte, cette religion de secte de l'islam? I mean, you have to definitely read the hadiths. That's is a definitely big changer. Juste en lisant les hadiths, là, ça peut te changer complètement. And stop listening to these imams. Just look into yourself, into the sources. Et d'arrêter de suivre, d'écouter les imams qui disent du n'importe quoi. Because if I always listen to the imams, they will make up stories. They will use. En écoutant les imams, ils fabriquent des histoires. Daif hadiths and just to make Islam look beautiful, but. Ils donnent même des hadiths qui sont daïfs, qui sont faibles, des histoires juste pour embellir l'islam. By the way, there's nothing called daïf. Daïf is still is fine. Yeah. Et même, il y a même, on dit que même ce qui est daïf, c'est acceptable. You see, the Muslims, they play the game of da'if. Da'if is something created just to make an excuse to... Les gens, les musulmans aiment blaguer. Des fois, ils changent, ils créent, ils fabriquent des histoires. Ils disent que ça, c'est faible, c'est da'if. Take stories. But I just say, they want even to accept da'if to make Muhammad look good. Mais les mêmes musulmans utilisent même les hadiths qui sont da'if, qui sont faibles pour embellir l'islam. You know? Yeah, I know. Even in the mosque, they use daif stories just to make Islam look good. Right. Ils font ça pour embellir l'islam. So when daif is bad, when they want daif is good. Des fois, lorsqu'ils veulent, tantôt les hadiths daif sont bons, tantôt les hadiths daif ne sont pas bons. I mean, even when I was a Muslim, I always loved Jesus more than Muhammad. Même là, lorsque j'étais musulman, j'aimais toujours Jésus plus que Muhammad. Yes, Jesus, he did actually nothing wrong in his life, but... Puisque Jésus n'a rien fait de mal dans toute sa vie. Muhammad, the thing is that I heard that he married Aisha.
les choses que Mohammed a fait, donc comme son mariage, il s'est marié à Aïcha. At six and consummated at nine. Et il s'est marié à Aïcha. Aïcha avait 6 ans. Il a consumé son mariage à, lorsque Aïcha avait 9 ans. Friend, I have a different, way I look at the marriage of Muhammad. Mon frère, moi j'ai une vision différente de la manière dont je regarde le mariage de Muhammad à Aïcha. I will explain to you, my friend. Je vais t'expliquer ça. I will play for you now. I will play a Muslim. Okay. Je vais jouer le rôle d'un musulman. Je vais me comporter comme un musulman. And I will explain to you why Muhammad he married Aïcha. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que Muhammad s'est marié à Aïcha. As a Muslim. Comme un musulman. We have no Muslim to call us. Puisqu'il n'y a pas de musulmans qui veulent appeler. As you know, the hadith says that the prophet he married Aisha at the age of six. Comme nous savons que les hadiths disent que Muhammad s'est marié à Aisha lorsque Aisha avait 6 ans. Correct. Yeah. But the Muslims they say to us that Aisha she was mature at that time because girls at that time they grow fast. Is that correct? Yeah, sure. Okay. It's so what happened? It's the heat from the Middle East. Yeah. So what happened? This is what happened according to my special intelligence. Mais les musulmans nous disent qu'à cette époque-là, les femmes grandissaient rapidement, tout ça. Hein? Puis là, c'est l'intelligence spéciale que je suis en train de développer ou quoi, hein? Tout ça. C'est comme ils nous disent, les musulmans. Hein? On va mettre ça en français pour que les gens puissent voir ça. Ça, c'est un hadith de Sunan Nasa'i 3255. Il a été rapporté par Aïcha que le messager l'a épousé quand elle avait 6 ans. Et a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Il y a beaucoup de hadiths. C'est un hadith qui est sahih. On va rentrer à Christian Prince, qui est en train d'ironiser d'être un musulman. Muhammad avait 54 ans. Il était naïf. Il ne connaissait même pas que le sexe, c'était quoi. Aisha, she took him to a dark room. She told him, I bought a Casio watch. Et Aisha l'a pris dans une chambre noire. Elle a dit que j'ai acheté une montre Casio, ironiquement. I want to show you the light inside, but we have to close the curtains and the windows. Je vais te montrer la lumière dans la montre, mais tu dois fermer les fenêtres, les rideaux. But in order to do that, mais pour faire ça, to get inside the room with me, okay? Tu dois entrer dans la maison avec moi. Et Muhammad est naïf. Il ne connaissait rien. Là, c'est Christian Prince qui est en train de faire une drame, là, comme une ironie. Et il est entré dans la maison. Muhammad est entré. Et on a fermé le rideau. And when he's inside the room, et lorsqu'il est entré dans la maison, Aisha, she said to him, Aisha lui a dit, doors are closed. What about we play with your birds? Ah, comment est-ce qu'on peut pas jouer avec ça aussi longtemps que ça sont les habits? He said, what birds? He said, deer. On va jouer avec les oiseaux. Mais quel oiseau? In your underwear. Ah, les oiseaux là, dans ton sous-vêtement. So we let him go, and as long as the windows are closed, they will not run away. On va laisser passer, on va laisser que ça puisse s'envoler, ces oiseaux-là. Comme les rideaux sont fermés, ils ne vont pas partir. Et Muhammad a enlevé son sous-vêtement. Donc, c'était la faute d'Aïcha. Donc, Muhammad était un homme décent. Il n'avait aucune idée de ce qu'Aïcha était en train de planifier. Elle est mature, elle est horny. Elle a besoin du sexe et puis elle est mature, Aïcha. At the age of six. À l'âge de 6 ans. Women in the Middle East at the age of six. I am from the Middle East, my friend. Les femmes dans le Moyen-Orient à 6 ans elles sont matures. Moi, je suis arabe, je viens du Moyen-Orient. Women at the age of six, they are very dangerous. À 6 ans, une fille est dangereuse. Very dangerous, you know. Actually, when you see a girl at the age of six in the Middle East, you have to be worried about your safety and your life and your. De lorsque tu vois une fille dangereuse, une fille de 6 ans, elle est dangereuse, tu dois être te préparer à propos de ta sécurité même. Sinon, elle va te violer. So, Aisha, she played Muhammad, the poor guy who is... Donc, Aisha a joué Muhammad, le pauvre gars, 54 years only. Qui n'avait que 54 ans, ironiquement, 54 ans. And she is 6 years old, which means she is Et Aïcha avait 6 ans, donc elle est mature.
And she knows what she is doing. Elle sait ce qu'elle fait. And the poor guy, he became a victim of rape. Et Muhammad, qui est le pauvre gars, il était victime de vol, de viol de Aïcha. And that is the first prophet who was raped in history by. Et c'est le premier prophète qui a été violé dans l'histoire. A 6 years old girl. Par une fille de 6 ans, hein? True story. Une histoire vraie, c'est ça? Very naughty Aïcha. Yeah. Ah, donc Aïcha, elle était une femme, une fille là, dangereuse là. The Muslims, they say that Allah inspire him to. Oh, mais c'est ce que racontent les musulmans. Ils nous racontent des histoires comme ça. Ils disent que c'est Allah qui l'avait inspiré. Allah a inspiré Muhammad. Il a inspiré Muhammad pour se marier à Aïcha. The prophet don't marry any woman unless Allah inspire him. Okay, ils disent que le prophète ne se marie à aucune femme à moins que Allah ne puisse l'inspirer à se marier à cette femme-là. Explain to me, Allah inspire Muhammad to marry Aisha for what reason? Expliquez-nous, comment est-ce qu'Allah peut inspirer, il a inspiré Muhammad à se marier à Aisha pour tirer de quoi? Pour avoir quoi? Pourquoi? I mean, there's no reason. Donc, il n'y a pas de raison. If you are a prophet, you have to prophesy, not be sexually addicted to. Si tu es prophète, tu dois prophétiser. Tu dois être addicté sexuellement. Even teenagers, that's. Même aux adolescentes. Disgusting. C'est pas bon. Anything you want to share with. Oh, merci mon frère. Autre chose tu veux ajouter? People who they are listening. Actually, I'm from a. Pour les gens qui veulent écouter. Shia family, so. Oh, you are. Shia. My. Donc je dans ma famille est chiite. You have to prophesy, not be sexually addicted to. Even teenagers, that's disgusting. Oui. Yeah. Maybe. Right, anything you want to. Other shows? People who they are listening. Actually, I'm from a Shia family, so. Oh, you are Shia. My father always, he used to curse Aisha, so. Je suis chiite, et les chiites, des fois, ils maudissent Aisha. Oh, that helped. Yeah. They say Aisha, Faisha, so. But you know. It is Aisha, Faisha. Aisha, you know, I mean, Shia, they have a lot of funny stories. You know, les chiites, les gens de la Shia Islam, ils ont beaucoup d'histoires là, drôles. They hate her more than. But she is bad anyway. This is true. Ils haïssent Aisha. Oh, you know, I agree, she's bad. She's. Ah, mais Aisha n'était pas bonne, tout ça. Je suis d'accord. The whole reading. You know, elle était prostituée. No, Aisha, she took an arm. Like calling her a whore and stuff like that. And Et il raconte qu'elle était prostituée, elle était une pute. Maybe when she was a kid, she was a victim of Muhammad, but all the. Peut-être lorsqu'elle était encore enfant, elle était victime de Muhammad. Just when she grew up, she became an evil woman, you know. Mais lorsqu'elle a grandi, elle est devenue une femme vraiment mauvaise. And suddenly, I mean, it's normal, by the way. The environment also made her that way, I believe. Correct, you're right. I was going to say that, actually. I was going to say that. If you live with an evil person, for many years, you will turn to be evil. Non, j'allais dire la même chose. Donc, si tu vis avec une personne qui est méchante, une mauvaise personne, toi aussi, tu finiras par être mauvaise personne. You know, she learned the skills of evil. Donc, elle a appris le mal, d'être donc l'art d'être méchant à partir de Muhammad. No. But she was savvy, like Muslims say. She was obviously very smart. Mais elle était intelligente, comme les musulmans disent qu'elle était très intelligente. Do you know the hadith of the Sunnah about Aisha? She used to decorate women to hunt men from Quraysh. Est-ce que tu connais le hadith? Là où on dit que Aisha était en train de décorer les femmes pour qu'elles puissent aller se prostituer avec les hommes de Quraysh. No, I never heard of it. Non, je n'ai jamais entendu ça. Okay. I will find it for you. Attends, je vais trouver ça pour toi. Do you speak Arabic? Tu parles arabe? A little bit. Un tout petit peu. Little bit. So the Sunnah, imagine the Sunnah, they say that, not the Shia. Là, ce sont les sunnites, pas les chiites. Les sunnites eux-mêmes, ils parlent de cette histoire de Aisha. But the Shia, they use this hadith. Mais les chiites, ils utilisent cet hadith. Just to
you know, to get the Sunnah busted. Pour exposer les sunnites. So the Sunni saying. Le Sunni dit. Aisha, she decorated women so she can hunt girls from Quraysh. Yeah, she hunt boys. Sorry, not this is the book of Al-Musannaf. Là, c'est le livre là où les sunnites eux-mêmes disent que Aïcha était en train de décorer les filles pour aller se prostituer, attraper les hommes de Quraysh. Je te montrer dans un livre de l'islam. This is one of many books. Kitab al-Nikah, which means the book of Ifin. Ça, c'est le livre de Nikah. Donc, ça veut dire le livre de sexe. C'est un livre parmi tant d'autres. Yeah. The Muslims, they do force a slave girl to go around and wearing sexy clothes so they can hunt customers. And look. Donc, les musulmans, eux, poussaient les filles esclaves à s'habiller comme des putes pour aller chasser et trouver des hommes. What it says here. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العلاء عن عبد الكريم عن it says أن عائشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت لعلنا نصطاد بها شباب قريش. So Aisha, guys, she decorated a slave girl. The Aisha est en train de décorer les filles esclaves. And I mean, she would make up on her. De elle mettait des maquillages sur elle. Make her look pretty and sexy. Pour les embellir. Sexy, etc. Et de les rendre sexy. And then she showed her around in the town. She ordered her to go around in the town so young men they will follow her. Elle les envoyait se parcourir la ville partout dans le à la Mecque pour chercher des hommes. To her home, I hope. Pour amener les hommes à sa maison. That we will hunt some young men of. Elle disait que nous allons chasser, partir à la chasse des hommes, des jeunes gens. Quraysh. De Quraysh. And this is not a Shia hadith. Et ça, c'est un hadith qui n'est pas chiite. C'est un hadith sunnite, de Sunna. This is Sunni. Sunnite. Shia fabricated it. No, they cannot. Mais ils vont dire que ce sont les chiites qui ont fabriqué ça. Ils ne peuvent. Ils ne peuvent pas dire ça. Ça, c'est sunnite. Ils ne peuvent pas faire ça. This is the problem. They cannot say this is Shia because this is. Ils ne peuvent pas dire que ça, c'est Shia, tout ça. Sunni resource. They cannot. Ils ne peuvent pas le faire. They cannot. Yeah. But if, you know, imagine if the Muslim books saying such a thing about their prophet wife. Mais là, imaginez-vous, ça, ce sont les livres des musulmans eux-mêmes qui racontent des choses comme ça par rapport. À part la femme de leur prophète. Muslim Sunni who almost worship Muhammad and his. Les sunnites, c'est comme si presque ils adorent Muhammad. Family. Et sa famille. And they defend Aisha like crazy. Et ils défendent Aisha comme des fous. If this is in their books, I mean. Si ils ont écrit ça dans leur livre. How in the world you can accept that? Comment allez-vous accepter ça? That Aisha, she was a woman who uses slave girls who they are young, so young men they will follow the slave girl to her house. So she's. Hein, que Aisha était en train de décorer les femmes esclaves pour que les jeunes gens puissent suivre ces filles-là à la maison de Aisha. Sleep with them. Et coucher avec elles. I mean, I know it's crazy. And you know the story. C'est moche, ça, c'est fou. Story of Al-Ifk, right? Et tu connais l'histoire de Al-Ifk? J'ai déjà entendu parler de ça. You know, Safwan ibn Mu'attal, he slept with her and they got three witnesses and then still. Safwan ibn Mu'attal avait couché avec elle, mais on avait seulement trouvé trois témoins seulement. Muhammad, he don't want to accept that she is his wife is sleeping around and. Et Muhammad ne voulait pas accepter que sa femme Aïcha avait couché avec des hommes. Et il avait rejeté ça puisqu'il n'y avait que trois témoins. This is very normal to happen. I mean, if you are 50 years older than your wife. Et ça, c'est normal. Drôlement, si tu es âgé de plus de 50 ans par rapport à ta femme. Imagine. Muslims say Islam is a religion of peace. If you killed one person, it's like you killed all my mankind. Mais les musulmans disent que l'islam, c'est une religion de paix. Si tu tues un seul homme, c'est comme si tu as tué toute l'humanité.
That's the only thing that they know about the Quran. If you c'est tout ce qu'ils connaissent à propos du Coran. No, but this is like, not for Islam. That happened in Morocco. Non, ça c'est pas pour l'islam. No, this cannot be Islam because if you kill someone innocent, it's like you killed all mankind. Ça se peut pas tout ça. C'est comme si tu as eu l'humanité. And they will keep quoting that surah, but no, my friend, that you're referring stupid. That verse. You know, it's all bullshit. Ce verset. For the Muslims, that ce verset même, ce n'est pas pour les musulmans. Verse, it says that this was an order to Moses, not to... Ce verset dit que cet ordre avait été donné à Moïse pour les enfants d'Israël, pas pour Muhammad. Yeah, you know, this is for the Jews. Ça, c'est pour les Juifs. Jews, Moses, the law of Moses, la loi de Moïse qui dit ça. If somebody killed a person as if he killed all mankind, but si tu tues un homme, c'est comme si tu as tué toute l'humanité. Muhammad, he said, mais Muhammad lui a dit. That's why it says in front of us, actually, you know. But the problem is people don't read them. They don't even. Hein, juste le verset qui suit. Mais curieusement, les gens ne lisent pas. Think carefully. Les gens ne raisonnent pas. And on the account you are denied for the children of Israel. Et il dit que cela a été ordonné pour les enfants d'Israël. Ce qui est méchant, c'est que les gens ne lisent pas, ils ne lisent pas les Écritures comme c'est écrit. On va vous projeter ça. This is not for the Muslims. Ça, ce n'était pas pour les musulmans. That if somebody killed one person, as if he killed all... Cela a été donné pour les Juifs. Quand, si quelqu'un tue un être humain, c'est comme si tu as tué toute l'humanité. On va vous montrer ce que dit le Coran. Au chapitre 5, au verset 32. Coran au chapitre 5, au verset 32, nous allons voir ce que le verset dit. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre, d'une corruption, et quiconque le fait, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Les gens ne lisent pas. Mankind. But isn't it Muhammad, he says, kill them wherever you find them? Mais n'est-ce pas le même Muhammad qui a dit que tuez-les partout où vous allez les trouver? Slaughter them. Égorgez-les. Cut their fingertips. Il faut couper les bouts de leurs doigts. The trees that are going to speak, there is a Jew behind you in the day of... Il y a même un hadith qui dit qu'il y a l'arbre qui va parler, une pierre va dire qu'il y a un juif derrière moi, derrière toi. Kill him. Il vient le tuer. That hadith was so funny. Ces hadiths-là sont comiques. Hein? I heard that. I could not stop laughing. So how many years now you are out of Islam? Non, ça fait combien d'années que tu as quitté l'islam? I mean, we say like a year or two. C'est presque une année à deux ans. Did you watch my videos before that date, before you leave Islam? Est-ce que tu regardais mes vidéos avant de quitter l'islam? No, it was before, but watching. Mais c'était avant, bien avant. And I lost the blessing. See guys, I lost the blessing. This is a Muslim who did not leave Islam because of me. I'm upset. Oh, j'ai raté la bénédiction. Ça, c'est un musulman qui a quitté l'islam sans avoir vu mes vidéos. Hein? C'est quoi? You definitely confirm it for me after watching your videos. I had a peace of mind. Like, ah non, toi tu as vraiment confirmé pour moi après avoir vu tes vidéos. Là, j'ai eu la paix. I'm obviously right for leaving. Okay, so I confirmed your leaving. Ah non, c'est moi, j'ai confirmé donc dans ton apostasie quand tu as quitté l'islam. Before I still had done, but watching Christian Prince, I'm 100% out of this. All right. Lorsque j'ai écouté Christian Prince, j'ai dit non, j'avais 100% raison de quitter l'islam. That's good. I no longer enjoy virgins. Good. Ah, c'est bon, je ne veux plus avoir ces filles vierges de Uri. I mean, what virgin? I mean, this is stupid. What virgin? Il n'y a pas de vierges de Uri, ça c'est stupide. And I mean, what? You see, 70 years orgasm. So, donc, on les promet qu'ils auront un orgasme de 70 ans. Isn't that great, 70 years? Huh? 70 years orgasm, you believe it? I mean, this is stupid. Est-ce que tu peux avoir... ça, c'est stupide.
Comment est-ce que quelqu'un peut avoir l'orgasme pendant 70 ans? Why would I have 70 years orgasm? Pourquoi est-ce que je veux avoir l'orgasme de 70 ans? Ça n'a pas de sens. I mean, what the and during the 70 years orgasm, the rest of the wives doing what? Watching? Et pendant ces 70 ans, les autres femmes, elles vont faire quoi? Elles vont commencer à m'observer? Les autres femmes que j'aurai, elles vont faire quoi pendant ce temps-là? Elles seront en train de faire quoi, ces femmes-là, que Allah va nous donner? So, guys, when the husband he have 70 years orgasm, now he have 80,000 women, he have Maintenant, ce mari aura un orgasme de 70 ans, mais il a des femmes là plus de 70. Qu'est-ce qu'elles feront? Orgasm with one. Okay. Maintenant, s'il est en train de coucher avec une femme, ça va faire combien de temps? That means there's 79,000. And 999. Donc il y aura 70 000, beaucoup de chiffres là. Women, they are waiting for him for 70 years. Des femmes, des milliers de femmes qui vont l'attendre pendant 70 ans. Just to finish his orgasm. Pour terminer juste l'orgasme. And they come like next year, husband, are you finished orgasm yet? No. Elles vont revenir l'année prochaine. As-tu terminé ton orgasme? Il dit non. No. He's going like, okay, and they come the year after, they come. L'année suivante, elle vient encore. 10 years after, 5, 10. 10 ans, 20 ans. 15 years after, 20 years after, 30 years after, 40 years after. 30 ans, 40 ans, il est toujours en orgasme. 50 years after, 60 years after, 70 years, he's done. Oh, 70 ans, il termine. All right, Christian Prince, I have to thank you because I still have to do some. Ah, merci beaucoup, Christian Prince. All right, my friend. But I send you a video like from. J'ai vu tes vidéos, je vois beaucoup de tes vidéos, tout ça. From an animation that they made about Allah and Muhammad in Arabic. Et on a tourné même des films, donc des dessins animés de Muhammad en arabe, tout ça. Also have one in Moroccan dialect. You have to watch it. Definitely, you have to watch. Et on a même tourné ça dans les dialectes du Maroc. C'est très bon à voir ça. Shit. Oh, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oh boy. Oui. Orgasm for 70 years. Orgasme de 70 ans dans l'islam. I mean, why Allah is being cheap? Why don't make it 100 years? I mean, pourquoi si Allah n'a pas fait juste orgasme de 100 ans? What you will lose? Il va perdre quoi? Just only 70 years. Seulement 70 ans? It's not even fair. Ah, c'est pas même pas bon. Bon. I mean, we men even would not even feel it. Les femmes ne vont même pas sentir ça. 70 years only. Juste 70 ans? Are you? Ironiquement? Are you stupid or what? Es-tu stupide ou quoi? Make it 70 million years. Fais cela juste 70 millions d'années. What you will lose? Tu vas perdre quoi? You are Allah, you can do anything. Tu es Allah, tu peux tout faire. Make it 70 million year orgasm. Fais juste 70 millions d'orgasmes, 70 millions d'années d'orgasme. What's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas, Allah? Astaghfirullah al-azim. Alhamdulillah wa bismillah wa alhamdulillah. You know, you heard the Muslims saying those things, but nobody knows even knows what he's talking about. Les musulmans aiment dire des histoires comme ça en arabe. Et ils ne comprennent même pas de quoi est-ce qu'ils parlent. Bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam wa ala Muhammad wa ala Allahumma. Oh Allah, open my eyes and let my tongue run. And you know that, but the second you ask him a question, he starts cursing you. Dès que tu leur poses la question, ça veut dire quoi? Tu leur poses la question, ils commencent maintenant à maudire des gens. Ils n'ont pas de réponse. Ils te donnent de longs discours avant de parler de leur prophète. Dès que tu poses des questions, ils n'ont aucune idée comment te répondre. Alléluia. Là, c'était une longue vidéo de Christian Prince. Pour tout celui qui veut débattre avec nous, il peut nous contacter à notre numéro.
Notre numéro est là pour le débat. Shalom, que Dieu vous bénisse.